Bonjour, une nouvelle scénographie au musée de la Forge Neuve à Moidon-la-Rivière. Des panneaux en aluminium expliquent dans la grande halle le passé minier et le travail dans les forges du XVIIe au XIXe siècle. Des maquettes sont également proposées, reconstituant des bâtiments aujourd'hui disparus. Les visiteurs peuvent aussi visionner des témoignages sur des bornes interactives. Enfin, un jeu et des énigmes sont proposés aux familles. Rencontre aujourd'hui avec la présidente des Amis de la Forge. Le contenu de l'expo était très technique. La première expo était très technique. Donc il fallait bien expliquer les panneaux. Donc c'était une approche différente par rapport à aujourd'hui. Puisque aujourd'hui on a essayé de rendre plus lisible l'histoire. Ce qui a évolué, j'ai deux aspects. Il y a la visite extérieure. Parce que je pense que les visiteurs comprennent mieux en marchant et en se déplaçant sur le site. On part de la maquette d'abord. Ensuite, on situe. Avec la maquette, on situe les lieux, ce qui existait au préalable. Ensuite, on se déplace et au fur et à mesure qu'on se déplace, on apporte d'autres précisions. Quand le tour est terminé, alors c'est adapté en fonction des besoins de chaque groupe, parce qu'il y a des groupes qui veulent 3/4 d'heure, 1 heure, 1 heure et demie. Bon, ceux qui sont plus curieux, ça va être 2 heures. Bon, ça, on s'adapte. Faut s'adapter aussi aux personnes, à l'handicap aussi de certaines personnes. Et puis, lorsque la visite extérieure est terminée, on entre dans le musée. Donc, j'explique le pays de Châteaubriand avec les forges pré-industrielles, on va dire. Ce qui a permis ce développement aussi de ces forges, c'est l'eau, les ressources en mine et tout ça, en forêt, en eau. Et ensuite, suivant, je vais vers les outils, j'explique les outils, j'explique la vie sociale des ouvriers. Le musée est ouvert entre juin et les journées du patrimoine au mois de septembre, du jeudi au dimanche, entre 15h et 19h, puis sur rendez-vous le reste de l'année.